un mélange de céréales. Peu importe le céréal que vous utilisez, du moment que c'est un céréal bien sec, bien sûr. Ça peut être un mélange de muesli, flocons d'avoine, cornflakes, peu importe. Après, on a besoin de l'huile. Moi, je mets de l'huile de pépins de raisin, parce que l'avantage de l'huile de pépins de raisin, c'est qu'elle est neutre, elle n'a aucun goût. Par contre, elle se conserve très mal, hein, pour la petite histoire. Elle rancit très très vite, hein, l'huile de pépins de raisin. Après, on a besoin de miel liquide. On a besoin... Moi, dedans, j'ai rajouté une petite mirepoix d'abricot sec, mais vous pouvez très bien mettre des raisins secs, des pruneaux, enfin, que des fruits secs, hein, pas de produits mille. Hein. Le miel, c'est pareil, vous pouvez le remplacer par... vous pouvez mettre glucose et sirop d'érable. Ça donne un petit goût sympa. Et il faut un œuf. Donc vous allez voir, c'est vraiment simple comme bonjour à faire. On va casser l'œuf. On rajoute tous les ingrédients, l'huile, le miel, surtout le miel liquide, hein. Sinon vous n'arriverez pas à bien mélanger. Miel spécial. Voilà, alors dès qu'on a mis tous les liquides, j'avais planqué mes couverts parce qu'ils disparaissaient. On mélange bien. On mélange bien tous les liquides. Voilà, une fois que c'est bien mélangé, on prend ses céréales. Et hop, ces fruits secs. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Voilà. Et après, vous. Et après, on mélange avec les mains. Donc, c'est mieux de mettre des gants. Hein. Si vous ne les mélangez pas avec les mains, vous ne les mélangerez pas bien. Vous vouliez participer? Ah non, parce que je voulais vous embaucher, hein, si vous voulez. Pourquoi pas? Alors surtout, prenez votre temps, hein, remuez vraiment bien. Hein. Sinon, ça va mal se passer. Le liquide va rester au fond, ça va être mal mélangé. Alors si votre mélange est trop sec, ça peut arriver, parce que suivant les céréales qu'on prend, vous rajoutez un peu de miel. Et le contraire, si votre mélange est trop liquide et trop mou, il faut rajouter un peu de céréales. Après vous